ses copines. Roule comme un loup, y'a ma fille, c'est son cœur est content. Roulali, roulali, roulali. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Un croque. Je vais faire mourir. On prend la barre, je mets la barre comme ça, pour que le crocodile ne voit pas la barre blanche, sinon il va avoir peur. Ensuite, je prends sur le côté, je rentre dans sa gueule. Si j'attrape le pied comme ça, le crocodile il retourne, il m'attrape la main aussi. Donc, une fois qu'on a mis la barre, on prend le pied devant, on enlève, et on pousse la personne vite. Ok? Et on tient le crocodile comme ça, et là on le laisse. Là, il va lâcher. Allez, suivant. Suivant. On ne raconte pas tout souvent. Ça doit être un réflexe. Secours! Voilà, et on ne court jamais. Très bien. Il n'y a pas fait. Max. 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 Ça crie bien une fille, hein. Vas-y doucement, hein. Voilà. Lui déchire pas le jean, hein. On est prêt? Tout le monde est bien prêt? Donc il n'y aura pas de morsure, mais s'il y en a une, on fait comme ça. Alors vous m'amenez les cordes, le crochet, il y a l'intérieur là. Qui c'est qui était là, la dernière manipulation de crocodile? Vincent? Toi? Oui, mais pas bien. Alors moi j'arrive, je prends la corde. Je vais jeter sur le crocodile comme ceci. Donc évidemment, je ne vais pas lui dire, donne ta patte, je vais te crocher. Alors j'ai mon crochet, vous êtes à la corde. Avec mon crochet, je vais le passer délicatement près des pattes. Comme ceci, doucement, sans qu'il s'énerve. Une fois que c'est ça, je vous dis tirez doucement la corde. Allez-y. Bon là, comme il est, normalement la corde va être posée comme ça. Quand je dis tirer, vous tirez. Voilà. Là, il est attaché. On va au pied de l'arbre. Ou on prend le grand arbre qui est là. Ou le petit arbre qui est là-bas. Une fois qu'il est attaché, une fois qu'il est contre l'arbre, c'est moi qui viens vers le museau. OK. Et on scotche. D'accord. Après, on l'attrape. On lui attache les pattes et on l'emmène. On le met dans la caisse, enroulé dans un filet. OK. Donc, l'opération la plus difficile, on ne tire pas le crocodile un coup sec. On tire doucement pour toujours traîner le crocodile. Si on s'arrête, il va partir. Il va chercher à courir. Et s'il court vers vous, vous allez courir partir. Pas vrai, Olivier? Hein? Donc que la corde elle reste tendue sans la tirer. Et voilà, comme d'habitude. Voilà. Mais il y aura combien de cordes? Une seule corde? Non. Non. Il gueule, hein? Alors, arrête, arrête. J'arrête. C'est quand même des fauves, hein. Lâchez un peu. Donne-le-moi encore. Allez, tirez-lui. Tirez. Doucement. 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 Voilà.
Alors, on se calme un peu, le scotch. Il est là. Bon, revenez avec la corde ici. Donnez-moi une ficelle, blanche qui est là. Restez bien derrière. Non, la ficelle blanche qui est dans le sachet, là. N'approche pas trop. On fait pas assez de fou. Non, reste comme ça. Pas de gros mots, c'est enregistré. On va y arriver avec ça, hein. On va faire la corde. La corde. Allez, tendez-le. Bien, sentez la corde. Tendez bien la corde.